Claire, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui c'est un crash test un petit peu particulier puisque je vais faire un test ADN. Du coup j'ai reçu chez moi il y a quelques semaines mon kit MyHeritage ADN qui contient tout le nécessaire pour réaliser un test ADN. Je l'ai déjà réalisé et envoyé au laboratoire, je vous propose qu'on remonte le temps. Salut, je viens de recevoir aujourd'hui un test ADN MyHeritage ADN, un test ADN qui va vous permettre de savoir de quel pays je viens, de quel pays j'ai des origines. Parce que moi quand on me demande mes origines, je réponds toujours française, j'ai pas d'autre origine à ma connaissance. Mais grâce à ce test ADN, on va pouvoir découvrir des origines bien plus lointaines. Avant de regarder la suite de la vidéo, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, quelles sont mes origines. Ça arrive assez régulièrement qu'on me demande si j'ai des origines asiatiques, ce qui n'est absolument pas le cas à ma connaissance. Et bah justement, grâce à ce test ADN, on va pouvoir voir si j'ai d'autres origines que françaises. J'ai hâte. Mais je parie que j'ai pas d'origine asiatique. C'est parti. Waouh, elle est classe la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a l'enveloppe qui me permettra de renvoyer mon test ADN. On a le tuto qui explique comment ça fonctionne et c'est écrit en anglais. Et on a tout le matériel qui me permettra de faire mon test ADN. Voilà, j'espère que je l'ai bien fait. Et de 1. Et de 2. Et voilà, c'est prêt à être envoyé. Dans quelques semaines pour découvrir ensemble les résultats. À bientôt. Aujourd'hui, j'ai enfin reçu les résultats que j'attendais tant de mon test MyHeritage ADN qui va me permettre de savoir enfin de quel pays je descends. MyHeritage ADN, c'est un service mondial avec une base de données qui provient du monde entier, c'est-à-dire qu'il est capable de retrouver des origines lointaines que vous avez qui peuvent venir de tous les pays du monde. De plus, c'est un test qui est très simple à réaliser puisqu'il suffit de prélever un petit peu de cellules buccales sur votre joue. Dit comme ça, ça fait très scientifique. Et les résultats d'ADN que je vais découvrir dans quelques secondes comprennent la répartition en pourcentage de mes origines ethniques dans le monde. Ce test peut également vous trouver les personnes qui ont réalisé le test de génétique et qui sont susceptibles d'être vos proches, sur la base des similitudes entre leur ADN et le vôtre. Donc c'est un petit peu complexe, mais en gros ce test peut vous trouver des personnes qui ont la même génétique que vous. Ça, je demande à voir, ça m'intrigue un petit peu. Du coup, avec tout ça, moi je n'ai qu'une hâte, c'est de cliquer sur le petit lien qui est juste ici et de découvrir enfin d'où je viens. C'est parti, je clique. Ça y est, j'ai cliqué. Moi je vous mets juste ici la capture de mon écran d'ordinateur. Alors j'ai un message qui apparaît qui me dit: Claire, prête à explorer votre appartenance ethnique. Allons-y. À 59,4% ouest et nord européenne. Ça veut dire que la majorité de mes origines viennent d'Europe. C'est ce que je pensais. Quoi? 18,8% ibère. C'est quoi ça? 4,8% irlandaise, écossaise et galloise. Bon, ça reste l'Europe. 7% italienne, toujours l'Europe. Ok. Bon, bah, je m'attendais à trouver des origines venant de partout dans le monde, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie et pourquoi pas d'Antarctique. Mais finalement, bah, ça confirme ce que je pensais de moi. Je suis absolument et uniquement européenne puisque je suis issue à 59,4% des pays de l'ouest et du nord de l'Europe, c'est-à-dire la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, etc. À 18,8% ibère, donc d'après le schéma ça correspond à l'Espagne et au Portugal. Je suis à 14,8% irlandaise, écossaise et galloise, donc pareil, ce sont les pays du nord-nord de l'Europe, et à 7% italienne, donc toujours en Europe. Bah,
Voilà, j'ai pas d'origine asiatique. Alors maintenant, il me propose de cliquer sur « Voir l'origine ethnique complète ». Donc je vais cliquer. Et donc là, on a à nouveau des pourcentages qui me précisent que je suis donc à 74,2% issue de l'Europe du Nord et de l'Ouest et à 25,8% issue de l'Europe du Sud. Donc rien d'autre que l'Europe. Je viens d'Europe et de nulle part d'autre. Je n'ai 0% d'ADN issu de l'Afrique, 0% issu de l'Amérique, 0% issu de l'Asie, 0% issu du Moyen-Orient et 0% issu de l'Océanie. Donc maintenant, vous le savez, je ne suis absolument pas asiatique. Je n'ai absolument pas d'autre origine qu'européenne. On voit le nom des personnes qui sont les plus proches de moi au niveau de l'ADN. Donc là, on a quelqu'un qui a entre 70 et 79 ans, qui vient de Grande-Bretagne et qui est apparemment mon cousin germain éloigné au deuxième degré, d'après les tests génétiques évidemment. On a également un certain Thomas venant d'Allemagne qui a la quarantaine, qui d'après nos comparaisons ADN pourrait également être un petit cousin ou arrière-petit cousin. Hélène qui a entre 70 et 79 ans qui pourrait être une petite cousine ou une cousine lointaine. On a Jeff qui vient des États-Unis qui pourrait être un petit cousin ou un cousin lointain. Martin qui vient d'Allemagne qui pourrait être un petit cousin ou un cousin lointain. Bref, le site me propose tout plein de personnes qui ont réalisé le test ADN et qui par leur similitude avec mon ADN pourraient être issues de mon arbre généalogique. Donc je ne sais absolument pas s'il faut s'y fier ou non, j'en sais rien, c'est juste rigolo de découvrir tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est bientôt Noël qui approche, alors si vous n'avez pas d'idée de cadeau, bah pourquoi pas un test de génétique, je pense qu'il n'y a rien de plus original. D'ailleurs, j'ai mis dans la description le lien qui permet de retrouver ce test ADN. Et avec le code promo CLAIRE, vous pouvez avoir une réduction sur ce kit. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y en a plein qui me regardent et qui ne sont pas encore abonnés. Donc il suffit de cliquer, c'est juste en dessous. Rejoignez-moi sur Instagram et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Salut !